Morgan, à la Yidane, tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Mordecha et Ben Yitzhak Vefani et Armand Amram Ben Sulika, ainsi que leur fouat. Arav Baruch Shmuel Ben Léa et Léa Batelicheva, Betor Shah pour l'Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions un serre tragique à Périgimel Mishnah. Hey! Minamodi it velifnim, neemanim al klei cheres. Minamodi it velachutz, ein neemanim. Keitzad. Akadar shehu mocher akderot. Nichnas lifnim min amodiin, hu hakadar, vehen agderot, vehen alokhe. Ne'eman. Yatsa, eino ne'eman. On continue à parler de lois de pureté et impureté en rapport avec les lois du Beth Amikdash où, durant les fêtes, tout l'âme Israël arrive à Yerushalayim. Et du coup, on a besoin de là-bas à Yerushalayim, on a besoin de beaucoup d'ustensiles, les gens viennent de partout, et du coup, on a été obligé de permettre certaines choses, certaines lois, pour pouvoir avoir des ustensiles, c'est-à-dire lever, ne pas mettre trop de barrières de sécurité, de pureté et impureté, dans la mesure où on n'a pas le choix, Yerushalayim, d'être en contact avec les Amarets, avec les gens simples, qui ne connaissent pas la Lachot, donc du coup, les Rami ont levé plusieurs interdits. En l'occurrence, il y a une halakha qui nous dit que à Yerushalayim, même durant la ville, à l'époque, il y avait Yerushalayim qui était construite dans la vieille ville, on n'avait pas le droit de faire des kivshonot, on n'avait pas le droit de faire des grands fourneaux. Soit pour fabriquer des objets, des ustensiles en argile. Donc du coup, tous les ustensiles en argile, ils devaient arriver depuis l'extérieur de Yerushalayim. En l'occurrence, on avait une borne bien nette qui s'appelait Modi'it. Je ne sais pas si ça correspond avec Modi'in. Ça pourrait éventuellement, c'est une ville qui était à une distance de 15 000 Yerushalayim. C'est une mille. C'est une mille, il y a 4 par ça. Et une par ça, c'est 4. C'est 2000 amas. Donc imaginez 1 km, 4 km, 4 fois 15. Ça va nous faire donc 60. Bon, ça fait beaucoup 60 km. Je ne sais pas exactement. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est 60 km. Je ne sais pas. Ça m'a l'air un peu étonnant, totalement. Mais concrètement, c'est pas très grave. Donc il y a cette ville qui était Modi'it, qui était en dehors de Yerushalayim. Et la Mishnah me dit, sache que maintenant, puisqu'à Yerushalayim, on n'avait pas des gens qui fabriquaient des ustensiles, depuis la ville de Modi'it, toute personne qui va, en deux mots, toute personne qui vend des ustensiles, tu le crois que ces ustensiles sont faits dans la pureté. Même s'il a l'air à Maharet, s'il n'a pas l'air de s'y connaître, tu le rencontres là-bas, il te dit, oui, c'est bon, c'est pur, tu le crois. S'il sort de là-bas, il est maintenant plus loin que Modi'it, tu le crois plus. Donc, d'accord ? C'est le principe de la Mishnah, mais en précisant bien plus violemment, bien plus strictement, en fait, comment ça va se passer. Regardez. Mina Modi'it ve Lifnim. Depuis la ville de Modi'it et Lifnim, et à l'intérieur, en direction du Yerushalayim, Ne'emanim al Kli Cheres. N'importe quel juif, il est cru sur ces Kli Cheres qui les a fait dans la pureté, qui ont été préservés dans la pureté. Qui n'ont pas été en contact avec un Cheretz mort, avec toutes sortes de choses qui pourraient le rendre pur. Par contre, Mina Modi'it ve Lachutz, Ne'emanim. Par contre, en dehors de Modi'it et à l'extérieur, il n'est plus cru. La ville de Modi'it elle-même, c'est toute une histoire, on en parlera après. Et la Mishnah commence à s'expliquer. Keitzad, comment se présente le cas? Attention. Un kadar chez Umocher Agderot. Un kadar, c'est celui qui vend, un potier, qui vend ses pots, qui vend ses ustensiles. Nichnas lefni na Modi'it. Dès qu'il est rentré, il a franchi Modi'it et il est maintenant en direction du Yerushalayim. Ou un kadar. Ce kadar-là, vehen Agderot. Et ces cruches-là, Vehen alokri, mais celui qui achète directement de lui, Ne'eman. Soit, s'il rentre à Yerushalayim, il me dit, oui, je les ai, il rentre, il est maintenant, il est entre la ville de Modi'it et Yerushalayim, et on le rencontre, et j'ai envie d'acheter de lui des ustensiles. J'ai le droit d'acheter des ustensiles qu'il me dit que lui-même a fabriqués, je les achète et que moi je les utilise. À exclure. S'il les donne à quelqu'un d'autre, je ne peux plus les acheter de quelqu'un d'autre. S'il a reçu des autres cruches de quelqu'un d'autre, je ne peux pas acheter cette cruche-là. Si moi je les achète, et moi je suis un grand rave bien connu que tous mes amis se fondent sur moi, me font confiance, je veux leur redonner l'ustensile, je ne pourrais pas leur donner. Parce que, comme on a expliqué, on croit le Amaharet sur la pureté, mais on le croit vraiment, Bedi Eved, c'est tiré par les cheveux cette crédibilité qu'on lui a donnée. Donc du coup, on se limite au strict minimum. Toi, tu es en contact avec le vendeur que lui-même il te dit, tu le crois. Mais si jamais tu dis, ouais, j'ai acheté de mon ami Jean-Pierre, qui a fabriqué aussi des cruches, mais les a gardées dans la pureté, il a une grande barbe et des péotes, ben vous ne le croyez pas. D'accord? Il est plus crédible
Il n'y a que celui qui a fabriqué les cruches qui vend ses propres cruches. Et moi, je les achète de lui. Il n'y a que moi qui peux les utiliser. Sous ma tutelle. Celui qui vient manger chez moi à la maison, il pourra les manger. Mais je ne peux pas ensuite refourguer et redonner cette cruche à mon voisin maintenant que lui-même aussi va l'utiliser. Parce que lui, il n'a pas entendu du Hamas, qu'elle était pure. Il a entendu que ça vient du Hamas. Allez savoir ce que c'était vraiment pur. C'est une. D'accord? C'est des halakhot très originales. Parce qu'en fait, c'est. Je vais vous expliquer en fait. Concrètement, selon la halakha stricte, tout est pur. Parce que si quelqu'un, un juif, tant que c'est pas un rachat, c'est un juif correct, bon, il dit que c'est pur, il n'y a pas lieu de soupçonner que ça n'a pas été fait. Ramé ont décrété maintenant que malgré tout on va garder des distances avec la marise parce qu'on sait très bien combien ils peuvent véhiculer d'erreurs et d'impuretés sans faire attention. Malgré tout, on a donné certaines dérogations, mais en les restreignant au maximum, de manière à ce que tu gardes en tête aussi que. Ça met de la pression dans l'air, quoi, en fait, de lever de savoir que il n'y a que moi, que lui et que ces cruches-là, ses propres cruches. Ça fait que maintenant, il va plus assurer, même lui-même, il va être plus conscient de la complexité, de garder les choses dans la pureté, et puis, il sera plus crédible. Si on commence à permettre franchement le commerce de cruches sans vérifier l'origine de chacune, c'est sûr qu'à la fin, on va se retrouver avec des cruches qui vont devenir impures. D'accord? C'est ce que la Mishnah m'a dit, donc, Hua Kadar, Vehen Akderot, Ven Alokrim. Ce cadar-là, celui-ci qui fabrique les pots, les cruches, et ces cruches-là elles-mêmes qui lui-même a fabriqué, et ces acheteurs uniquement, eux, dans cette situation-là, Néman, on donne crédibilité. Yatsa, et par contre, s'il a quitté, dès qu'il est sorti en dehors de Modine, il n'est plus cru. La Mikhailagma, elle précise en fait qu'il y a quand même une nuance aussi à l'intérieur, c'est la ville de Modine elle-même. Regardez, c'est original. Quand il y a un extérieur, en direction du Yerushalayim, si on le rencontre dans Modine, on pourra acheter les cruches et il sera cru. On lui a donné sa crédibilité. Mais s'il est déjà au retour en train de repartir chez lui à la maison, et on le rencontre à Modine, on lui dit c'est dommage, je ne repars pas avec tes cruches, viens je te les achète, et ben on ne pourra plus les acheter. Parce que là, comme il est en direction de la sortie, s'il est. Alors, la ville de Modine elle-même, de Maudite elle-même, lorsqu'il est en direction de la sortie, il n'est plus cru. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.